Et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes nombreux en grève. Plus de 90% des collègues dans le premier degré sont en grève. Sur les 350 écoles de Guadeloupe, nous avons plus de 150 écoles fermées. De nombreux collèges fermés, plus de 55% des grévistes dans le second degré. De nombreux collèges fermés, comme Pampelune, sont fermés. Il faut donc aujourd'hui qu'on se dise que c'est le premier jour de mobilisation. Premier jour de mobilisation pour que nous, enseignants notamment, nous ne soyons pas avec des pensions de moins de 800 euros par mois. Il faut absolument qu'on se mobilise pour qu'on puisse dire à ce gouvernement que nous sommes solidaires tous ensemble et que nous sommes le retour voir nos systèmes de retraite maintenus tels qu'ils sont aujourd'hui. Mieux, là où nous pouvons, il faut que nous nous mobilisons pour faire de telle façon que nos retraites augmentent, que nos salaires augmentent. Nous sommes aussi en grève seulement pour le système de retraite, mais nous sommes aussi en grève parce qu'il faut améliorer les conditions de travail, il faut améliorer le salaire dans la fonction publique et plus particulièrement dans la fonction publique d'éducation. Donc tout ensemble, nous sommes là, nous avons défilé, je vous rappelle juste le parcours pour ceux qui le veulent. Nous allons donc retourner sur la droite, puis ensuite la route Pérou. Nous irons ensuite en sous-préfecture, nous serons reçus. Une petite délégation sera reçue pour justement nous puissions déposer une doléance à la sous-préfecture qui sera présentée au niveau du ministère. Puis ensuite, nous prenons la rue Montpellier. Nous irons juste sur mon point de la solitude, puis on retourne ici vers la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc, ensemble, nous devons être solidaires. Et plus que jamais, nous devons être mobilisés pour préserver le système de retraite, préserver justement le pouvoir d'achat et faire que le même pour survivre tranquillement dans ce petit pays. J'ai le pouvoir de servir.